est de retour et dans la bonne humeur, évidemment. Philippe Lachaud a commencé le tournage de Alibi.com 2, la suite de sa comédie de 2017 qui avait séduit plus de 3,5 millions de spectateurs. Acteur, réalisateur et scénariste, ça fait du boulot, mais tant qu'on s'amuse. En fait, on fait ce qu'on fait quand on était petit, tu sais, quand on jouait aux cow-boys, aux indiens ou quoi, sauf que là, bah, voilà, on le fait en étant adulte. Donc ça nous permet de conserver cette âme d'enfant. Comme à son habitude, il est entouré de sa clique, la bande à Fifi. Car c'est ça, la force de Philippe Lachaud, et peut-être aussi la clé de son succès. En quelques années, lui et sa bande de potes sont devenus des poids lourds de la comédie en France. Depuis Babysitting en 2014, ils enchaînent les succès populaires. Jamais moins d'1,5 million de spectateurs. Ils ont très peur qu'effectivement un jour, je sais pas, ils aient peut-être moins d'idées, mais pour l'instant c'est ce que je leur dis et ça risque pas d'arriver parce que tout ce qui bouillonne là-dedans, ça n'arrête pas. Si on ne change pas une équipe qui gagne, on peut faire appel à la vieille garde. Ça me rappelle le bon temps, une sorte de mon EHPAD et je suis content. Et il en sort souvent. Gérard Jugnot en est déjà à sa 3e collaboration avec Philippe Lachaud. On retrouve un petit peu l'équipe qu'on formait nous quand on était jeunes, des mômes qui se sont rencontrés au lycée, qui ont appris le métier ensemble et puis qui avancent quoi. Et en plus, ils avancent vite, quoi. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Alibi.com 2 sortira en salle en février prochain. D'ici là, la bande à Fifi se réunira encore pour un nouveau projet, la suite de 30 jours max.